Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, que la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, frères et sœurs, vous qui nous regardez sur TV Ecclesia, vous qui nous écoutez passer par là, sachons, ma chère, la suite du Christ, sachons ouvrir notre cœur pour nous raconter de vérité avec Dieu, car Dieu nous a choisis. Dieu nous aime, il accepte de mourir pour nous. Osons à notre tour, nous reconnaître nos limites, nos péchés, pour que nous puissions marcher dignement à sa suite et mériter de son amour. Nous demandons pardon, Seigneur, pour nos éloignements, pour nos. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci,
qui s'impose. Vous abstenir de manger des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous gardez tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vais chanter, jouer des hymnes. Éveille-toi, ma gloire. Éveillez-vous, harpe, cithare, que j'éveille l'aurore. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Et jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Je vous appelle, mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia! 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera.
Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, paix et bien. Paix et bien. Cet évangile se déroule après le dernier repas. Il réunit ses disciples pour leur faire connaître son testament avant de se retirer. Il est simple et en peu de mots. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Jésus n'est pas comme les maîtres de ce monde qui indiquent le chemin mais ne l'apprête jamais. Il est le bon berger qui marche à la tête des brebis. Il s'en occupe par amour et les défend contre tout danger. Il rappelle à ses brebis qu'il est le chemin à emprunter pour aboutir à la vie par une vie de vérité. Ce berger donne d'abord l'exemple avant toute recommandation. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Il a prouvé son amour en s'offrant librement sur le bois de la croix pour sauver les hommes. Il offre sa vie à ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Nous sommes des choisis et nous sommes aimés par Dieu par pure grâce. Nous avons à mériter la qualité d'ami de Jésus, qui est son ami. Sinon, celui qui fait la volonté du Christ, celui qui offre sa vie pour que le royaume de Dieu advienne dans ce monde, celui qui chaque jour sème l'évangile de Jésus-Christ contre vent et marée, celui qui prend sa croix à la suite du Christ, oui, celui-là est son ami. Frères et sœurs, c'est notre devoir, c'est notre responsabilité d'amour envers ceux qui sont encore loin du chemin qui mène vers le Père. La suite du Christ, l'amitié avec lui, nous amène à porter du fruit qui demeure. Donnons-nous de nous laisser illuminer par l'Esprit Saint, afin que nous puissions connaître son enseignement et en vivre chaque jour de notre vie. Ô Seigneur, accorde-nous de grandir dans la foi et de pouvoir vivre ton commandement d'amour pour que nous participions à rendre ce monde meilleur. Dieu vous bénisse. Amen. Amen.